Produire maintenant jusqu'à 160 RF parce que je consomme actuellement ici c'est 65 RF par bloc ici, donc je consomme environ 1100 RF et je peux en produire jusqu'à 16 x 8 3200 environ RF grâce à ces dynamos là, donc on est plutôt tranquillou. Voilà, ça c'est bon. Également, j'ai mis le dimensionnel au milieu. Hein. Bon, ça vous l'avez déjà fait. Donc, on a notre tank de lave ici qui permet tout simplement d'obtenir un petit tampon de lave. Oui, S2 il live, mais ça pue chez lui, donc restez ici, tout simplement. Et du coup, je savais bien que j'avais pas tout scanné non plus. Du coup, pour l'instant, tous mes Magmatic Dynamo génère 94 et 92 RF particules, donc ça fait une moyenne de 93 actuellement pour ce qui se trouve derrière, donc ici. Si par exemple j'ai une machine qui consommerait plus, donc notamment les machines là, quand on met en route, la production derrière de RF va s'alimenter plus naturellement et puis va redescendre petit à petit. Voilà, petite information, par exemple j'ai besoin de deux stacks. Voilà, t'as cette machine là qui va se remettre en route naturellement, mais qu'est-ce qu'il a lui, je vais le kick hein. Non mais il s'est fait qu'est-ce que j'ai fait moi, j'ai rien fait. Enfin bref, le jour que je vais passer chez lui en mode prank, il va le sentir. Du coup voilà, au moment que ça est en train de se créer, du coup l'alimentation est remontée de 4 RF particules pour chaque dynamo. Et du coup, ah d'accord, il veut s'en prendre pour tout le monde maintenant. Bolos. Du coup voilà, on est à 98 RF particules rien que pour cette petite génération du minerai. Voilà. Maintenant, une fois que nous avons ceci, Applied est bon là, de toute façon il va augmenter Applied hein, naturellement. J'ai une 64K et des 16K plus un 2 4K. J'ai commencé le Tomcraft ici, on a refait un petit peu le déco de la tour à mob avec un grinder, vous verrez pourquoi après, avec une trash parce que je mets tout à la poubelle hein, vu que c'est le grinder qui passe, et ici c'est tout simplement pour envoyer l'énergie tout simplement. Ici on a mis des ethereal glass, tout simplement c'est pour éviter que les mobs la nuit puissent venir et nous faire chier hein, tout simplement. Donc c'est Ethan qui a mis la glace là temporairement, ça y viendra plus tard. En dessous, il a rajouté un Killer Joe là-bas. Je m'approche pas trop parce que sinon je me fais un petit peu défoncer la tronche. Et puis nous avons de l'XP à gogo ici, derrière. Donc on est plutôt tranquille. Moi je me suis mis un barrel de coal ici juste pour le lols. Et normalement ici j'ai mis un filter avec des têtes, sauf que les têtes ne viennent jamais, donc du coup c'est un coffre inutile. D'accord, le ban set. Oui. Par la même occasion, du coup, il y a une chose que je voudrais bien remettre en place, c'est la witch water. Pourquoi la witch water? C'est tout simplement quand les mobs tombent, notamment les squelettes. Tout simplement, c'est que les squelettes normaux se transforment en wither squelettes. Donc, hop, les araignées normales deviennent venimeuses, les creepers viennent creeper chargés, les squelettes deviennent des wither squelettes. Donc, à force, on est plutôt tranquille. La preuve. Voilà. Et c'est comme ça qu'on peut obtenir des têtes de wither facilement. Ou pas d'ailleurs. C'est pas très grave, mais c'est surtout un générateur de coal. Donc ça c'est cool. D'ailleurs en parlant de
De Witch Water, je devrais mettre un dispenser pour juste le saut. Enfin bref, il y a des creepers chargés, donc ils s'amusent bien. Voilà. Voilà, et puis tout ce qui restera en hauteur, hein, ce qui est ici, c'est le grinder qui se mettra en mode exécution automatique. Voilà. Du coup, ce qu'on va faire un petit peu aujourd'hui... Ah oui, t'as vachement aplati le terrain, toi. Waouh. Ouais, il faut que ce soit plat pour la petite maison. Donc, pendant ce temps que monsieur fait ça, moi, je vais tout simplement déplacer un petit peu de machines. Déplacer des machines. Alors, j'avais besoin de canne à sucre, donc du coup, comment ? Oh, cool, je l'avais pas scanné, ça. Du coup, il y a... Comment ? Ah, merde, je peux pas la... Duc. Voilà, le planteur, je le scanne, voilà. Shorty m'a passé en fait des cannes à sucre et du coup j'ai pu me garantir un coffre complet de cannes à sucre pour avoir du papier. Le lapis, faudrait peut-être que je le mette en bloc. Ici, tout simplement, c'est qu'on a fait une petite salle supplémentaire qui est avec une baie vitrée qui sera... actuellement ici pour Applied. On va mettre un petit réseau Applied qui pourrait être sympa, donc bien sûr la déco de la pièce se fera plus tard. Pour l'instant c'est pas vraiment utile, mais on continuera un petit peu la baraque aussi, parce qu'il faut bien la continuer un jour. Voilà. Du coup, hop, on va déplacer Applied. Donc je vais pas tout déplacer Applied parce qu'il y a la partie génération de minerais. Faudrait que je mette de quoi sans pour la qualité. Ouais, t'es pas compris. Ouais, c'est 100 personnes pour la qualité, je crois. Donc voilà, ceci se mettra en place. Il y a aussi là toute la partie d'interface qu'il faudrait que je refasse. Les chargeurs et tout. Là-dedans, du fait qu'il n'y a plus rien qui rentre, bah ça, je pourrais les enlever pour en refaire autre chose. Mais pour l'instant, ça restera comme ça. Il y a juste ça qu'il faudrait que je laisse alimenter pour l'instant, parce qu'il y a la génération de minerais derrière. Voilà, parce que si je le mets, si j'enlève pour l'instant l'extraction, bon, ça peut se remplir temporairement, mais il faut pas que tout ça se remplisse, sinon ça déborde. Voilà. Oui, ramenez vos amis, on pourra changer la qualité du stream. Du coup, on va faire un petit peu le ménage dans Applied. Hein. On va changer un petit peu tout ça. Ça, je pourrais le mettre là, je pourrais le mettre là. Et puis le papier avec, parce que je n'en ai pas besoin. Voilà. Donc, on va pouvoir changer un peu ça. Il faudrait en faire en sorte que le Solar 3 qu'il y a ici, je puisse tout simplement changer avec ceci. Je suis en train de voir un truc. Hop. Donc, ça, je vais enlever. Donc, du coup, forcément, il n'y aura plus de jus ici. Je vais mettre ça là et je vais foutre ça là. Voilà. Ouais, ça descend, comme ça génère juste ça. Tac. Voilà. Ah oui, forcément, il y a toutes les interfaces. Ah, ta 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 ta. Ça, c'est le moléculaire. Ok. Vous êtes fatigué? Non. Je suis pas fatigué. Alors, juste les moléculaires. Voilà, je vais les mettre là temporairement. Tac. Avec le même contrôleur qui va bien. De toute façon, je les remettrai automatiquement au pire. Hop, hop, voilà. J'ai un semi-craft auto. Ok, moléculaire. Ah, salut l'Underman. Ah oui, c'est vrai que les Underman se téléportent quand ils sont dans la Witch.
Hop, hop, hop. Reviens là, toi. Ah! Allez, reviens. Voilà. Du coup, on va pouvoir tout déplacer tranquillement. Est-ce que j'ai assez de place? Oui. Voilà. Oula. Je sais que là-dedans j'ai le filtre qu'il faudrait que je mette. Voilà. Alors ça pourrait être sympa. Il faudrait que je voie pour mettre tout ça. Un câble, un chargeur, câble, chargeur. Ça, c'est l'interface normale. Ici, ça va être un petit peu la merde. Donc, pour l'instant, je vais tout changer. Voilà. Ouais, forcément. Ça va pas comme je veux. Hop. Voilà. Oui. Tac, 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 et tac. Je prends ça, et puis c'est bon. Ouais, que notre applied soit tranquille. Et puis, bah, ici, ça peut continuer à s'extraire tranquillement grâce à l'import et au solar panel. Voilà. Ça, il en a pas marre de vouloir dormir, lui. Ça, c'est quoi? C'est moléculaire. Hein. Hop. Voilà. Ensuite, bon bah maintenant que nous avons fait ça, ça je vais le laisser temporairement là, quoique je vais peut-être retirer. Non, je ne peux pas bien sûr mettre des liens de Twitch sur YouTube, parce que sinon tu peux te faire strike. Par contre, je peux mettre des rediffs par exemple de cette plateforme sans pour autant trop le dire dans la com. Voilà, c'est comme ça qu'on peut maintenant. Bon, hop, je vais juste prendre ce qu'il faut. Ouais, et puis maintenant ça doit. Ouais, ça va générer pas mal. Éventuellement, ouais, j'aurais pu faire quelque chose comme ça. Du coup, on va aller en bas. Il me faudrait une autre dimensionnelle et j'en ai pas. C'est un peu chiant ça d'ailleurs. Alors pour l'instant on va mettre voilà, on va mettre un petit panneau solaire juste au-dessus. Voilà, c'est tout simplement pour avoir un petit truc d'énergie. Voilà, comme ça il se charge tranquillement, puis on aura le câble du coup. Du coup, j'ai besoin de je suis en train de chercher en fait ce que j'ai besoin, parce que il faudra bien que je fasse le petit système qui permet de tout relier.